des voies, des moyens, vaille que va, écoute que groupe a de gré et de force, à ce que le Mali, le Burkina et le Niger puissent rentrer dans la CEDEAO. Nous le savons haut et fort que le Mali, ces trois pays de l'AES, ont dit clairement et que ça rentre dans la tête de tout un chacun, ça a été clair, net, limpide, que l'AES ne va pas rentrer dans la CEDEAO. Ça, c'est déjà un fait qui est déjà, comme on le dit, scellé. C'est déjà une décision qui a été prise. C'est déjà, c'est déjà bouclé. Voilà. En aucun cas, l'AES va accepter de rentrer dans la CEDEAO avec tout ce qui a été fait comme embargo, toutes ces intimidations, jusqu'au point, le Niger, vouloir aller attaquer le Niger parce que Bazoum, voilà, a été enlevé du pouvoir. Vous voyez un tout petit peu, voilà ce qui a été passé ou ce qui s'est passé à un certain moment donné dans cette histoire de AES et de la CEDEAO. Mais quelle sera maintenant l'alternative? Quel sera maintenant le troisième, pour ne pas dire le quatrième élément, que Alassane Dramane Ouattara aura le dos au mur? Il ne peut pas emmener l'AES dans la CEDEAO. Il ne peut pas aller à des élections libres et transparentes parce que 10% seulement Alassane Dramane Ouattara n'aura seulement que 10% des votes. Donc, trois, il risque de vouloir changer à ce que nous puissions aller seulement à un seul tour aux élections et pas à deux tours parce que aucun parti politique, que ce soit le PDCI, que ce soit le PPACI ou que ce soit le GPS de Guillaume Soro, ne va vouloir se mettre en collaboration avec Ouattara s'il partait à un deuxième tour. Mais qu'est-ce que Alassane Dramane Ouattara risque de faire? Il risque maintenant d'enlever cette histoire. Écoutez attentivement et écoutez minutieusement. Partagez massivement ce direct parce que ce sont des éléments clés que j'ai. J'ai été empêché de parler hier sur Facebook. Raison pour laquelle aujourd'hui je fais ce direct et je vais décider de faire mes directs dorénavant sur YouTube. Donc abonnez-vous massivement sur cette chaîne YouTube parce que c'est là que je vais faire mes directs et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes directs à venir. Il risque d'enlever cette histoire de deuxième tour et instaurer seulement un seul tour parce que aucun parti politique, que ce soit du PPACI, que ce soit du PDCI, que ce soit du GPS de Guillaume Soro, ne va vouloir se mettre en collaboration avec Ouattara pour partir à un deuxième tour. Nous le savons très bien que il y a eu des deals qui se sont passés dans le passé pendant les élections où, je pense bien que c'était les élections de 2015 où Alassane Dramane Ouattara a été emmené au pouvoir. Il n'a pas tenu à ses paroles. Il n'a pas respecté ses paroles. Donc, aujourd'hui, le PDCI ne se voit pas aller faire un partenariat. Et le PDCI ferait mieux de ne pas faire un partenariat avec Ouattara parce que Alassane Dramane Ouattara n'est pas une personne de parole, n'est pas un homme qui respecte ses engagements. Et comme il a le dos au mur, comme il sait qu'il a seulement une seule chance de pouvoir truquer encore les élections présidentielles de notre pays à venir, il risque de réchanger encore les normes à ce que nous allons à un seul tour. Et si nous allons à un seul tour, il va truquer les élections présidentielles pour ne pas emmener d'autres personnes à venir. Et un seul tour veut dire une seule chance. Et ce sera la seule chance pour lui de pouvoir truquer ses élections présidentielles pour pouvoir se maintenir. Ça, c'est déjà un. De deux, il aura, comme on le dit aussi, la possibilité où le deuxième scénario de vouloir faire un auto-coup d'État, comme ce qui s'est passé au Gabon. Je me rappelle très bien que quand les histoires de Gabon avaient débuté la veille des élections du Gabon, j'avais fait un direct où j'avais déjà planifié cette histoire de auto-coup d'État où Ouattara était en collaboration avec l'un des candidats. Vous pouvez aller révisionner mon direct sur les élections du Gabon. Et vous avez vu que ce que j'ai eu à dire, même après les élections, j'ai dit non, que ça a été un auto-coup d'État pour pouvoir enlever l'autre, mais maintenir pour que la France soit toujours celle qui va être là à diriger le Gabon. Nous voyons très bien ce qui est en train de se passer en ce moment et à cet instant. Au niveau du Gabon, vous pouvez aller révisionner, mes directs. Donc, il risque de faire un auto-coup d'État. Et un auto-coup d'État pour maintenir encore son parti politique et se maintenir indirectement à la tête de la Côte d'Ivoire. Et ce coup d'État sera géré, malmené, comme téléguidé, soit par photocopie ou soit par un élément clé de ce que... Je vais bloquer ces personnes ici, j'ai pas le temps. Voilà. Je vais bloquer ceux qui vont raconter leur vie de merde sur ce direct. Et ce coup d'État, sera une manière de se maintenir
encore à la tête de notre nation. J'invite les Ivoiriens à comprendre que, en ce moment-là, Ouattara a le dos au mur. Il ne faut même pas que les Ivoiriens doutent de ça. Quand on vous dit que c'est chaud sur Ouattara, c'est la vérité et ce n'est que la réelle vérité. Aujourd'hui, en ce moment et à cet instant T, c'est chaud sur Ouattara. L'ultimatum qui a été donné à Alassane Draman Ouattara, c'est de trouver des voies, des moyens pour que il puisse faire venir l'AES dans la CDAO. Il va échouer. Et comme Ouattara sait qu'il va échouer, la deuxième manière pour lui, et en ce tour encore, veut dire qu'il doit truquer les élections pour pouvoir se maintenir. Parce que si Ouattara ne truque pas les élections présidentielles, il ne peut pas gagner d'élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Deux tours ne peut pas l'arranger. Aller au deuxième tour veut dire que les autres partis politiques doivent quelque part se mettre ensemble et aller contre lui. Et comme on sait que Alassane Draman Ouattara n'a pas la majorité aujourd'hui, en ce moment et à cet instant, il ne peut pas gagner les élections en Côte d'Ivoire avec une opposition, si cette opposition va dans un seul sens et qu'elle met ses divergences des côtés pour pouvoir quelque part trouver des voies, des moyens pour lutter, voilà, contre ce qui va se passer. Donc, aujourd'hui là, il va passer par toutes les voies et moyens. Je le dis haut et fort, à qui veut l'entendre, que Alassane Draman Ouattara, d'abord ça ne va pas bien. Je ne veux pas rentrer dans son état de santé parce que la maladie et la mort, je le dis tout le temps que c'est deux choses différentes. Ça ne va pas bien. Les proches qui sont, les gens qui sont proches de Alassane Draman Ouattara savent très bien que si Ouattara part, le RHDP c'est fini. Et je mets quiconque au défi de ça. Une fois que Alassane Draman Ouattara part, nous n'allons plus entendre parler de RHDP, de parti politique RHDP. Et comme Alassane Draman Ouattara sait que en ce moment et à cet instant, il n'a pas intérêt à laisser ce pouvoir. Il n'a pas intérêt à partir parce que n'oubliez pas qu'il y a l'argent du contribuable qui a été volé. La Côte d'Ivoire est surendettée. Nous avons encore des contrats qui n'ont pas été honorés. Nous avons encore des prisonniers politiques dans notre pays. Ne pensez pas qu'il a libéré tous les prisonniers politiques. Loin de là, il ne les a pas libérés. Il y a beaucoup de prisonniers politiques encore dans notre pays. Jusqu'à présent, les proches de nos différents leaders, comme Guillaume Soro, qui a son ex-majordome, qui a été assassiné encore. Donc, il y a encore ça. Donc, vous voyez que quelqu'un qui veut aller à une réconciliation ne peut pas continuer à intimider, ne peut pas continuer à violer, ne peut pas continuer à battre des pauvres innocents parce que ces personnes ont des liens, avec ces différents politiciens. Donc, Ouattara même, les gens qui se disent que Ouattara veut aller à une réconciliation, je l'ai dit dès le départ, à qui veut l'entendre, oh, ah, que ça soit clair, net, limpide, comme l'eau de roche, que Alassane Draman Ouattara n'est pas prêt et ne sera jamais prêt à aller à une réconciliation dans son intégralité, une vraie réconciliation. La réconciliation en Côte d'Ivoire ne peut pas arranger Alassane Draman Ouattara. Il faut que les Ivoiriens sortent de leurs émotions. Il faut que les Ivoiriens comprennent que c'est pas que les gens ne veulent pas aller à une réconciliation. C'est pas que Guillaume Soro ne veut pas aller à une réconciliation. C'est pas que Guillaume Soro ne veut pas se soumettre. Non, ce n'est pas une histoire de se soumettre. La soumission, on enlève. Point barre sur ce côté. Mais Ouattara même ne crée pas des conditions pour que nous puissions aller à des élections libres et transparentes et à une vraie réconciliation de tous les Ivoiriens venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest en passant par le centre. C'est ça qui est la vérité. Il n'est pas prêt. Ouattara dirige le pays en créant de la zizanie. Il divise pour mieux diriger. Il divise pour mieux s'imposer. Il traumatise pour se garder et maintenir son pouvoir. 2025, je le dis, 2025, c'est pas loin, c'est l'année prochaine. Je le dis, ouais, et fort que ce sera chaud dans la sous-région. Ce sera chaud en Côte d'Ivoire. Ce sera des murmures. Les murmures ont déjà commencé au sein de l'armée. Et je vais emmener mes frères d'armes à comprendre, les gens de l'armée, à comprendre que l'État est une continuité. Aujourd'hui, là, vous êtes là pour la Côte d'Ivoire, pour le peuple ivoirien, et non pour un président. L'armée n'est pas là pour gérer l'humeur ou bien gérer les dires de Ouattara. L'armée doit être là pour gérer le pays. L'armée doit être là pour maintenir l'ordre dans le pays, s'assurer des biens de notre pays, se rassurer que les Ivoiriens sont bien dans leur pays. C'est ça qui est le rôle. Sauvegarder
les ordres ou exécuter les ordres de Ouattara. Nous le savons qu'au niveau de l'armée, en ce moment et à cet instant, il y a des murmures, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord. Et c'est normal parce que ces choses qui sont dans l'armée, il y a des GPS dedans, il y a des PPACI dedans, il y a des PDCI dedans, il y a RHDP dedans dans l'armée. L'armée, c'est pas que c'est des gens du RHDP seulement qui font part de l'armée. Non, l'armée contient et fait part de tout le monde. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs, pardon, des chrétiens, des musulmans, des protestants dans l'armée. Donc l'armée là, ce n'est pas les gens du RHDP. Ce n'est pas les gens du RHDP. L'armée n'appartient pas au RHDP et l'armée ne doit pas appartenir. Ou Ouattara ne doit pas donner l'impression aux Ivoiriens que l'armée appartient à lui, à la Sainte Ouattara. Sortez de ça. Tout ça, c'est pour embrouiller les Ivoiriens. Tout ça, c'est pour vous mettre dans une position de faiblesse. Pour vous dire, parce que j'entends certaines personnes qui rentrent dans ma messagerie qui me disent, mais la guêpe, tu veux qu'on fasse quoi? Hein? On va sortir là. On peut faire quoi? Les gens sont là et nous regardent. Mais c'est dans ça que Alassane Ouattara veut vous maintenir. Vous donnez l'impression que vous n'avez plus de choix. Vous donnez l'impression que vous ne pouvez plus rien faire. C'est menace. À menace, c'est cuit. On n'a pas d'autre alternative que d'accepter ce qu'il nous impose. On n'a plus d'autre alternative que d'être OK avec ce qu'il nous impose. Je vous dis non, 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 non et non. Nous avons plein d'alternatives. Nous avons plein de manières de pouvoir dire non à ce troisième, à ce quatrième mandat anticonstitutionnel qui va faire encore couler le sang des Ivoiriens. Si, et seulement si, nous mettons nos divergences de côté et que nous formons un bloc et nous allons dans le seul et l'unique sens de la libération de notre patrie. Je le dis haut et fort que Ouattara est déjà fini. Il suffit tout juste de le laisser tomber, c'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a rien de sorcier en cela. Les gens qui disent aujourd'hui, ah oui, Guillaume Soro, ah oui, Guillaume Soro, ah, c'est lui qui a fait Ouattara est venu. Mais attendez là. Guillaume Soro, c'est notre frère ivoirien. C'est notre sang qui coule en Guillaume Soro. Guillaume Soro, là, il nous appartient. Guillaume Soro, là, c'est pour nous. Guillaume Soro, là, on sait comment on va gérer son problème là après. Enlevons le mal, le cancer et la gangrène de la Côte d'Ivoire. Enlevons le mal, le cancer et la gangrène de la Côte d'Ivoire qui est à la centrale de Ouattara. Quand vous regardez le parcours de Ouattara, c'est pas aujourd'hui qu'Alassane Ouattara a commencé à marmailler les Ivoiriens. Depuis le temps de feu Henri Konan Bédié, 1999, il a commencé à vouloir changer la constitution sous l'ère de l'ancien ministre Fala Keïta. Il a voulu changer, passer par toutes les voies et moyens. À changer la constitution de notre pays. Un autre coup d'état s'est passé encore. On a enlevé le président Bédié. Qui était à la base? Qui a tué Camara H? Qui a tué tous ces grands? C'est que quand vous regardez même le RHDP là, tous ceux, les membres, les pères fondateurs du RHDP, du RDR, ils sont tous partis. Soit. Ils sont tous partis. On les a tous éliminés. Même les personnes qui sont à côté, qui ont mené le combat pour Alassane Dramo Ouattara, il ne les a pas ratés. Donc, vous qui vous plaignez là, qui dit Guillaume Soro, on n'est plus à ce stade. Nous ne sommes même plus à ce stade. Où nous sommes arrivés en ce moment là, ce n'est même plus une histoire de la Côte d'Ivoire seulement, c'est une histoire de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez vu le bordel et la zizanie que Ouattara est en train de créer au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez vu. Même le Mali, il ne les a pas ratés. Même le Burkina, ils sont allés mettre leur armée à la frontière du Mali, à la frontière du Burkina. Même au Niger, encore. Et pour les personnes qui ne le savent pas, Tiani que vous voyez là, le président Tiani du Niger là, il a été l'une des personnes qui était là, qui a protégé Alassane Dramo Ouattara au Golfe Hotel. Je mets quiconque au défi de cette information. Le moment où Ouattara était au Golfe, puis ça chauffait. Le bataillon de l'ONU ici là, Tiani était l'une des personnes qui ont protégé. C'est dans ça que Tiani a connu les autres, certaines personnes. Bon, j'ai pas envie de citer leur nom, j'ai rien contre ces personnes. Mais d'autres personnes, voilà, par rapport à ça, Tiani les a connus, qui ont côtoyé, voilà, Tiani, qui ont connu Tiani. C'est depuis cette histoire de l'ONU ici, depuis cette histoire de Golfe Hotel, ils ont connu Tiani jusqu'aujourd'hui.
Je le dis haut et fort. Mais aujourd'hui, là, à cause de l'uranium du Niger, à cause des biens mal acquis que Ouattara a au Niger, que Bazoum a pris pour donner à Alassane Dramane Ouattara, il ne veut même pas entendre la fête parler de Assimi. Pour Assimi, même, c'est encore grave. Pour Ibé, même, qui est le plus jeune parmi les trois, et là, même, c'est la catastrophe. Il faut mettre l'armée devant l'armée à la frontière de la Côte d'Ivoire et aussi du Burkina. Mais ceux qui disent qu'il y a, il y a une base américaine qui est en train d'être créée en Côte d'Ivoire, mais la base américaine n'est pas partie pour aller attaquer les autres pays. Hein. Faites la différence. La base américaine qu'ils veulent mettre en Côte d'Ivoire, c'est pas pour aller. Les Américains ne sont pas allés en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas aller mettre leur base en Côte d'Ivoire pour aller attaquer le Burkina. Ils ne peuvent même pas prendre ce risque de le faire. Les Américains ne vont pas mettre leur base pour dire qu'ils vont aller mettre Ouattara dans un quatrième mandat encore qui va faire couler le sang des Ivoiriens. Ce qui s'est passé avec la France pendant la rébellion et 2025, ça ne passera pas. Les Américains ne le feront pas. Il y a eu base au Niger et puis on allait prendre Bazoum comme un petit poulet pour la déposer là-bas. Les Américains n'ont même pas parlé, n'ont même pas levé le doigt. Il y avait une base américaine au Niger et puis on allait attraper Bazoum là tout doucement, sans bruit. Et puis on a gardé Bazoum jusqu'en ce moment, jusqu'à cet instant, au niveau du Niger. Les Américains n'ont pas levé un doigt. Les Américains n'ont même pas dit « i », n'ont même pas dit « a ». Donc, si c'est juste ça que Ouattara compte, parce que c'est ce que j'entends beaucoup, hein. J'entends beaucoup de personnes dire « ah, voilà, mais la base américaine, je dis, c'est tout ça, là, c'est l'influence. Vous ne connaissez pas la marmaille de Ouattara. C'est le tapis vu. » Base française. Il y avait les gens là, non? Au Mali, non? Oui. On les a enlevés. Burkina, ils ont chassé. Donc, pourquoi vous voulez vous mettre dans une peau? Dans une foi? C'est que vous mettez dans une position de faiblesse de eux et puis te dire, ah bon, il n'y a plus rien à faire. Voilà, tous ceux-là, ils sont là, ils sont avec Ouattara. Qui vous a dit qu'ils sont avec Ouattara? Qui vous a dit? C'est de l'intimidation. Oui. C'est de l'intimidation. Il fait tout ça là, c'est pour intimider le peuple ivoirien. Et donner l'impression que lui, là, il est en collaboration avec les États-Unis jusqu'à un certain point. Il est en collaboration avec tel pays jusqu'à... Je vous dis que c'est du paflotage. Si aujourd'hui on sirie Ouattara, l'Américain ne va pas lever un doigt pour mettre sa bouche dans l'affaire de Ouattara. Ils l'ont démonté au Niger. Ils l'ont démonté au Niger. Il y en a plus de militaires américains au Niger même que français. Je le dis. J'ai dit, le monsieur a le dos mûr. Il est arrivé à un stade de paflotage, d'intimidation, de donner l'impression qu'il a des alliés forts qui sont là pour lui. Il y a foi, c'est moi qui vous dis ça. Il n'y a rien ici. Rien, absolument rien. Il ne peut rien créer ici. C'est qu'on sirie Ouattara aujourd'hui. Ouattara, il n'y a pas quelqu'un qui a venu sauver Ouattara. Voilà, ils ont oublié Bazoum. Hein. Ils ont oublié Bazoum. Personne ne parle de Bazoum en ce moment. Donc réveillons-nous. Peuple africain, réveillons-nous. Ceux qui sont là en train d'attaquer les gens du AES, attaquer nos frères maliens, attaquer nos frères burkinabés, attaquer nos frères du Niger. Mais eux, ils ont fait quoi? Le problème, ce n'est pas un problème entre les Maliens et les Ivoiriens. Ce n'est pas un problème entre les Burkinabés et les Ivoiriens. Ce n'est pas un problème entre les Nigériens et les Ivoiriens. C'est un problème entre Alassane Dramane Ouattara, ce vieux marmailleur, dictateur sanguinaire, imposteur, bandit de grand chemin. Et ces autres pays. C'est un problème personnel contre Ouattara parce que c'est un esclave de salon. Il veut toujours paraître. Il veut toujours plaire. Il veut faire ce que le maître lui dit de faire. Mais le président Ibrahim Traoré avait raison. Les esclaves de salon. Ouattara, c'est un esclave de salon qui exécute. Il n'a aucun amour pour les Ivoiriens. Il n'a aucun amour pour les Ivoiriens. Parce qu'on ne peut pas dire aimer un pays et puis chercher à détruire. Aujourd'hui, regardez tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire de vous à moi. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est là pour le bien-être de la Côte d'Ivoire? Regardez autour de nous. La Côte d'Ivoire surendettée. 1, 2, 3, c'est nous, on va chercher par là. Dans les pays d'à côté. 3, 4, 5, c'est la Côte d'Ivoire. C'est que quand on parle des coups d'État quelque part, à la Côte d'Ivoire, son nom doit exister dedans. Mais pourquoi? Quand on dit à déstabilisation, quelqu'un cherche à déstabiliser un pays là. Tous les jours, le nom de Alassane Dramane Ouattara doit sortir dedans. Quand on parle de celui qui négocie, c'est qu'il est toujours, toujours, toujours.
toujours en collaboration avec les opposants des différents États. On a vu ici ces vocaux avec Boubou Cissé en train de dire le Mali ne va pas tenir. Le Mali ne va pas aller de l'avant. Ils vont avoir le dos au mur. On attend, on les regarde. Ce sont des idiots. Ils sont comme ci, ils sont comme ça. Mais les Maliens l'ont démontré par A plus B que fouille était fouillé. Il ne peut rien créer ici. Il ne peut rien créer. Le temps de la colonisation, là. Hé, c'est terminé. Nouvelle génération, nouvelle mentalité. Génération insoumise. Oui, génération insoumise. Ça, c'est mon slogan de 2025, les élections à venir. Génération insoumise. C'est qu'on ne va plus accepter, on ne doit plus accepter le bordel et la chielue de qui que ce soit. Ouattara, il est fini. Hein? L'ultimatum qui lui a été donné, là, comme je l'ai dit au départ, de faire revenir AES, là. Ça ne marchera pas. Parce que AES, là, Huawei, Abana PPO, c'est fini. Donc maintenant, là, la seule et l'unique manière pour lui de pouvoir se maintenir, là, je l'ai déjà dit, il va changer la constitution encore. Attendez, vous allez voir. C'est moi la guêpe que vous êtes noté, écrivez. Datez ce que je suis en train de vous dire. Il va rechanger encore la constitution de la Côte d'Ivoire. Il va encore enlever cette histoire de deux tours, là. Ouattara ne va pas vouloir faire une histoire de deux tours. Non, ça ne l'arrange pas. Parce qu'il sait que aller à un deuxième tour veut dire qu'il va perdre. De trois, un autre coup d'État. Oui, pour maintenir son frère Fotokou, pour maintenir quelqu'un qui va choisir pour créer une histoire de transition. Et après cette transition, aller à des élections qui sera organisées par ces personnes et puis mettre encore les gens de RHDP encore à la tête de la nation. Je le dis, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Les temps à venir seront très, 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 très lourds. Les temps à venir, ça ne sera pas de l'amusement. Les temps à venir, les Africains, je ne vais même pas dire seulement les Ivoiriens, mais je vais dire les Africains en général. Ne l'oublions pas. Le cancer, le mal et la gangrène de l'Afrique, là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Il va chercher à vouloir détruire le Burkina. Chercher à vouloir détruire le Mali. Chercher à vouloir détruire le Niger. Parce que s'il arrive à faire cela, ça va lui donner une cote au niveau de ses maîtres. Parce qu'il a été lâché. Hein. Personne ne veut de Alassane Dramane Ouattara. Il va prendre des crédits, on refuse de lui donner des crédits. Parce qu'il n'est pas reliable. C'est, on ne peut pas compter qu'il sera là encore. Vous voyez? Donc il a le dos tellement au mur que ça part dans tous les sens. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas abattre par le désespoir. Ne vous laissez pas dans la mise dans une posture pour dire qu'on n'a plus le choix. Hein? On va faire comment? Hein? On va parler là. Il va nous tuer. Comment parler là? On va nous mettre en prison. Ah bon? Si nous devons tous aller dans ce sens, chacun de nous, nous menons notre combat comme nous pouvons. Certaines personnes qui disent, ah, mais il faut venir sur le terrain. Mais si moi je passe sur le terrain, je vais vous donner les informations. Comment? Si moi je suis, parce que moi, ils ne peuvent pas m'attraper. Ils vont vouloir me tuer, m'éliminer. Ça, c'est une réalité que je connais. Donc, si moi, on m'élimine, je vais vous donner les informations. Comment chacun de nous joue son rôle. Jouez votre rôle. Continuez à dénoncer. Continuez à tenir. Ne vous laissez pas dans l'idée, comment on le dit? Dans la peau du désespoir. Pas du tout. 2025, là, c'est loin, mais c'est pas loin. C'est l'année prochaine. Ouattara, c'est presque fini. Il reste un tout petit peu, c'est qu'on le laisse pas là, c'est fini. Restons soudés. Et ce qui concerne les adeptes de GPS, de Guillaume Soro, continuez à vous abonner à GPS, Génération et Peuple Solidaire, pour faire une politique autrement et la faire vraiment intelligemment. Aujourd'hui, là, tant que nous n'enlevons pas Alassane Dramane Ouattara à la tête de notre patrie, les Ivoiriens n'auront jamais, jamais, jamais la paix, notre quiétude. Il va perturber notre quiétude. Peu importe la personne qui vient. Vous voyez qu'il refuse de mettre le nom de Guillaume Soro et le président Gbagbo sur la liste électorale. C'est qu'il est en train de rejuger encore le président Gbagbo. Il rejuge encore le président Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo a fait quoi? Passer 10 années de sa vie à la CPI. C'est quel procès? C'est que le jour qu'il a envoyé le président Gbagbo, ce jour-là, Alassane Dramane Ouattara ne savait pas que le président Gbagbo allait revenir en Côte d'Ivoire et puis être là aujourd'hui. Il ne le savait pas. Parce que s'il le savait, il n'allait pas faire partie. Le président Gbagbo. Non, ils n'allaient pas le faire partie. Ils allaient l'éliminer, ils n'allaient même pas voir ses pays. Mais souvent, là, quand moi-même je m'assois et puis je fais, ma propre réflexion, je me dis, je remercie Dieu quelque part que le président Gbagbo soit parti à la CPI et que Dieu a permis qu'il ressorte. Parce que si le président Gbagbo n'était pas parti à la CPI, là, je vous dis que Ouattara aurait éliminé. Vous savez que le président Gbagbo n'allait même pas être là aujourd'hui. Donc c'est une grâce. Parce que ça a empêché qu'on puisse atteindre à sa vie. Ça fait mal, hein, 10 années de ta vie en prison. 10 années de ta vie, ça fait mal. On vient, on t'enlève au pouvoir, puis on met quelqu'un qui est là. Et celui qui vient, il n'y a qu'à mettre tout, gâte tout. Et qu'il sème le bordel et la zizanie. Vous voyez? Mais ça a été une grâce. Par
que je dirais pour Guillaume Soro. Si Guillaume Soro n'était pas en exil, il y a longtemps on parlait plus de Guillaume Soro, on parlait de Guillaume Soro dans le passé. Donc ça aussi, nous devons voir cela en une grâce. Nous devons voir cela en une grâce. Aider de Guillaume Soro là, pour moi c'est une bénédiction pour lui, parce que ça a permis de le maintenir en vie. La CPI là, ça a été une bénédiction quelque part. Bon, chacun a sa manière de voir, mais moi pour moi, je me dis ça a été une bénédiction quelque part. Parce que ça a permis au président Laurent Gbagbo, notre OPA national, de le maintenir en vie. Nous avons affaire à des monstres. Nous avons affaire à des personnes sans cœur. Nous avons affaire à des gens qui n'ont pas de pitié. Ouattara n'a pitié de personne. Ses intérêts ou rien. Tout ce que Ouattara veut là, c'est lui. C'est lui. Lui, 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 lui. C'est ce que je le dis. Je le dis. Faisons attention. Les gens de l'AES là, ce n'est pas nos ennemis, hein. Ils n'ont rien fait. C'est Ouattara qui allait les déranger dans leur quiétude. C'est Ouattara. Mais Fasso, il a dérangé là. Que Dieu vienne déranger pour Ouattara comme ça. Que Dieu vienne frapper son pouvoir. Que Dieu frappe le pouvoir de Ouattara. Et ça va venir. Il n'a qu'à continuer. Il pense qu'il est un gangaba. Il est arrivé. Chaque chose a un temps. Et chaque temps a une chose. Le temps de Dieu et le temps de l'homme là, c'est pas pareil. Nous, on est pressés, on aime faire tout. Mais Dieu, il est lent. Il est juste, il est lent. Mais quand il frappe au bon moment. Toi-même, tu es là, tu te demandes. Ah! Mais ça a pris du temps, là, mais ça a été bien fait. Ce temps va venir. Donc, que les Ivoiriens ne soient pas dans le désespoir. Que les Ivoiriens ne soient pas dans le désespoir. Ok? Soyons toujours soudés. Allons dans le même sens. Toutes les personnes qui peuvent emmener notre patrie, notre pays avec de l'avant, soutenons-les. Ce qui peut ramener la dignité de la Côte d'Ivoire encore, soutenons ces personnes. Le combat n'est pas facile. Rien n'est facile sur la terre. Mais le combat va aboutir, Inch'Allah. Sur ce, je vous claque plein de bisons. Nous étant à plus de 1000 et quelques personnes connectées sur mon direct de YouTube. Je vous demande dans le même temps de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification sur mon compte YouTube. Parce que dorénavant, je vais faire mes directs sur YouTube parce que mes pages Facebook sont tellement signalées. Ils nous empêchent de parler. Donc, c'est vraiment pas facile. Donc, dorénavant, tous mes directs seront sur YouTube. Donc, abonnez-vous pour que vous puissiez avoir une notification quand je suis en direct. Sur ce, vous passez une excellente soirée. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout temps, chacun, et que Dieu, dans sa miséricorde, qu'il continue de pardonner nos péchés et nous amène le sens du discernement. C'était votre guêpe, votre coqueluche depuis ma base Guépal. Je vous l'offre. Bisalam.